Demi Lovato revient de loin. C'est à l'âge de 10 ans qu'elle fait ses premiers pas en tant que comédienne, dans la série Barney, tout comme Selena Gomez. Par la suite, elle apparaît dans plusieurs spots publicitaires, avant de devenir l'une des enfants stars de Disney Channel. Elle obtient le rôle principal du film Camp Rock et entame en parallèle une carrière de chanteuse, avec le succès qu'on lui connaît. Hélas, tout n'était pas si rose en coulisses. En effet, l'ex de Wilmer Valderrama a longtemps souffert de son addiction à la drogue, qui lui a gâché ses plus belles années et bien failli l'envoyer dans l'autre monde. En juillet 2018, elle survivait miraculeusement à une overdose d'héroïne. Retrouvée inanimée à son domicile de Los Angeles, Demi Lovato est restée hospitalisée durant 2 semaines, avant de rejoindre un centre de désintoxication. 6 mois plus tard, elle annonçait fièrement sur son compte Instagram qu'elle était totalement sobre et avait bien l'intention de continuer sur cette lancée. Demi Lovato @YouTube de lourdes conséquences plus que concernées par le sujet, Demi Lovato use à présent de sa position pour sensibiliser le public au ravage de la drogue. Régulièrement, elle revient sur cette période sombre de sa vie, dont elle paye encore le prix aujourd'hui. Comme elle a expliqué au micro de la radio américaine Sirius XM, celle qui a fait son coming out non-binaire in 2021, a gardé de graves séquelles de son overdose. Après avoir subi 3 AVC et un infarctus, Demi Lovato souffre également de déficience visuelle et auditive. Si j'ai des regrets, c'est bien à cause de ça. Par exemple, je ne conduis pas parce que j'ai des angles morts dans ma vision. Mais c'est un rappel constant à rester sur le bon chemin, parce que je ne veux plus jamais que ça arrive. Des révélations qu'elle avait déjà faites dans son documentaire en 4 épisodes, Dancing with the Devil, sorti en 2021, où elle se livre à cœur ouvert. Elle évoque ainsi son adolescence tourmentée lorsqu'elle s'automutilait, son combat contre la boulimie ou son attirance incontrôlable pour drogue. Car malgré une première cure de désintoxication en 2010, la chanteuse avait fini par replonger. C'est à l'âge de 18 ans, alors qu'elle est en tournée avec les Jonas Brothers, que Demi Lovato décide de son propre chef de séjourner dans un centre psychiatrique près de Chicago, où les médecins lui diagnostiqueront des troubles bipolaires. Elle y restera 3 mois mais ce séjour aura été sans effet, comme elle confiait en 2017 dans le documentaire Simply Complicated. Fort heureusement, il faut croire que cette époque troublée appartient désormais au passé. Demi Lovato de nouveau amoureuse. En mai 2020, l'interprète de Sorry Not Sorry officialise sa relation avec l'acteur Max Eric. Ils paraissaient très épris l'un de l'autre puisqu'ils se sont fiancés en juillet de la même année. Mais visiblement, les amoureux s'étaient quelque peu emballés puisque la presse annonce leur séparation 2 mois plus tard. En août 2022, Demi Lovato confirme qu'elle a retrouvé l'amour dans les bras du musicien Jordan Lute, qui se fait aussi appeler Jute Dollar. On ignore depuis quand les deux jeunes gens se fréquentent mais d'après une source aux médias People, c'est une relation saine et heureuse, ajoutant que le heureux élu est un super mec. Pourvu que ça dure.